Hey, chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Petit souci de flux, de rapidité de flux. J'espère que, bah, que vous arrivez à voir, que vous arrivez à suivre, qu'il n'y a pas trop de décalage. Dites-moi si vous êtes là. Merci, chers amis, de me le dire. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a le jingle, il y a un petit peu de mal. Il y a du. Alors, si vous m'avez vu figé, sachez juste que moi, je ne voyais pas que le jingle était terminé. Voilà, donc c'est David Job, auteur, consultant, formateur en sortie de chaos, fondateur et présentation des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes. Merci d'ailleurs pour votre fidélité et ainsi que vos feedbacks bienveillants qui nous aident et qui nous encouragent à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. Alors, Chronospace, eh bien, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne, justement, est de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un, car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir, eh bien, est celle qui vous regarde dans le miroir. Et si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker, de commenter, afin de pouvoir toujours être au courant de tout ce qui se passe et d'avoir de plus en plus, voilà, d'être abonné et de recevoir les différentes mises à jour lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous abonner, vous cliquez sur s'abonner ou simplement vous cliquez sur le fait sur l'abonnement à la page, à la chaîne. Liker et partager permet aussi d'augmenter la visibilité. Comme ça, plus on nous voit, plus il y a de visibilité, plus on peut diffuser les clés, les valeurs et la bienveillance, le management humain. Voilà tout ça. Je vous rappelle aussi qu'il y a un site internet www.chronospace.tv sur lequel vous pouvez vous abonner. Hein, vous tapez www.chronospace.tv et là, vous inscrivez, vous recevez un guide pour gagner 2 heures par jour, même si vous êtes débordé, ça vous permet de vous dégager du temps pour enfin pouvoir vous occuper de vos chaos. Et pour nos amis, donc auditifs, sachez que les podcasts sont disponibles sous le nom Sortir du chaos, les interviews, et donc vous seront disponibles donc dès demain. Déjà, vous aurez le podcast sur Spotify, Stitcher ou autre, quelle que soit la plateforme que vous nous suivez. Bon, bienvenue à tous et bonsoir à tous. Alors, c'est bien connu, à moins de vivre comme un ermite sur une île déserte, et encore, on ne peut pas ne pas communiquer. Mais par contre, on peut mal communiquer. Car les mots ont un pouvoir, et comme tout pouvoir, lorsqu'il est mal utilisé, il peut être la conséquence d'effets diamétralement opposés de ce qu'il a voulu produire. D'où les malentendus, les incompréhensions, blessures, à la limite même ruptures. Lorsque des mots sortent de notre bouche, il y a toute une mécanique ondulatoire qui se déclenche et avec elle des énergies vibratoires. Et lorsque nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, c'est bien connu, il y a malentendu. Comment raisonner juste alors? Comment faire en sorte que notre communication soit une véritable communication? Pour répondre à cette question et nous apporter les clés de la communication juste et la bonne fréquence, je reçois ce soir une ancienne dirigeante de ressources partenaires. S'appuyant sur plus de 20 ans d'accompagnement de l'humain au cœur des organisations, de l'opérationnel à la stratégie en passant par le management, du salariat à l'entrepreneuriat, elle est aujourd'hui conférencière et consultante spécialisée dans les stratégies de communication positive et le bien-être qu'elle nous transmet sous différentes formes. Elle sensibilise ainsi ses interlocuteurs à l'importance du choix des mots. Elle se définit aussi comme une coloriste des mots, au figuré, certes, mais ce n'est pas qu'une image, car elle est également artiste peintre. Elle peint et écrit sur les mots positifs afin de leur redonner du sens. La citation de Confucius, une image vaut 1000 mots, prend tout son sens lorsqu'elle expose ses peintures pour faire émerger, entre autres, des prises de conscience quant au message des mots. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace ce soir le diapason de la communication, la coloriste des mots, Aude Milesi, bonsoir. Bonsoir, Aude. Bonsoir David. Voilà, alors les vidéos, elles ont un petit peu de mal à sortir. Soit tu voyais bien le jingle, tout ça passait bien?
effectivement, ça arrivait tout doucement là, ce que tu as mis en dernier. Ouais. Donc le jingle de début, ça allait, mais là. Bon, voilà. En tout cas, bienvenue. Voilà, un accueil en fanfare, en grande pompe pour un invité qui le mérite tout à fait. On va parler beaucoup communication, on va parler beaucoup énergie vibratoire, on va parler vibration, on va parler de tout ça. Alors, je t'ai fait une petite introduction, mais tu vas te présenter. Mais donc, on ne se présente pas de façon classique, on se présente à travers la question Darling. La question Darling. Et ben voilà, jingle qui fonctionne. La question Darling, référence au parfum. Donc, Darling, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Alors, Aude Milesi, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter ? Alors, il dirait plusieurs choses. C'est que quand Aude, on discute avec elle, on s'en rappelle. Pourquoi ? Parce que justement, j'amène les personnes à être attentives aux mots qu'elles utilisent et surtout à la formulation des phrases. Et je t'avoue que là, en t'écoutant à plusieurs reprises, je me suis dit « Oups, ça va falloir que je discute avec David » parce que là, il y a des phrases formulées négativement qui pourraient être formulées positivement pour avoir beaucoup plus de puissance, hein, beaucoup plus d'impact. Et je pense que ce serait efficace. Ce qui est sympa, c'est que les personnes, elles me disent souvent, des fois, c'est même limite, « Aude sort de ce corps », tellement je... ce que je leur ai dit, a impacté. Donc, je sais que mon discours est impactant. Donc, c'est impactant par rapport à leur façon de s'exprimer. Même parfois, suite aux conférences, hein, des personnes qui me disent « Ouais, tout ça, on le savait. » Et qui, finalement, tu les retrouves un an, six mois, trois ans après, qui te disent « À chaque fois que j'écris un mail, je pense à toi. » Et ça, pour moi, c'est important. Donc, ça veut dire que, finalement, la communication positive que je transmets, la façon dont je la transmets, bah, c'est ce que retiennent le plus les personnes. Et puis, l'impact aussi que ça apporte sur leur bien-être au quotidien, leur bien-être, mais aussi la qualité des relations qu'elles peuvent avoir avec les autres. C'est ça. Alors, parce qu'on dit bien sûr que les mots, et les mots M-O-T, M-A-U-X, les uns sont reflets des autres, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi à l'inverse. C'est-à-dire que si on met les bons mots, eh bien, on n'a plus de mots. Et donc, on a une énergie vibratoire qui tourne derrière. On aura l'occasion de développer. Donc, Aude Milesi, quelqu'un dont on se souvient, c'est le message que tu veux faire passer quand ce soir pour te présenter ? Le message que je veux faire passer pour me présenter ? Non, ouais, pour te présenter. Ouais, donc, si tu as trois mots-clés, c'est ce que j'ai noté finalement, que tu es impactante. Voilà. Aude Milesi, elle est impactante. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Eh ben, c'est très bien et on va le voir ce soir. Voilà. Et moi, j'ai compris que je vais avoir un droit à un coaching et pour une reformulation de mes formules. Voilà. Il y aura donc un chronospace avant Aude Milesi. Il y aura un chronospace probablement après Aude Milesi. Ça, on verra par la suite. Eh bien, écoute, je te propose également la question pour les nuls. Tiens. La question pour les nuls. Alors, si je te confiais la rédaction du tome, la communication positive pour les nuls, qu'est-ce que tu écrirais dedans ? Alors, j'écrirais plein de choses. Tout d'abord, j'expliquerais à quel point c'est important d'être attentif à ses pensées, dans le sens où les pensées précèdent les paroles et les actions. Donc, forcément, ça va orienter tout notre quotidien, notre façon de penser. Ça, ce serait une première chose. J'aurais toute une partie aussi qui serait axée sur les expressions du quotidien. Parce que dans le quotidien, on utilise beaucoup d'expressions, plus par mode, plus par habitude, par mimétisme aussi, et qui finalement, ces expressions ont aussi un impact hyper négatif au niveau vibration. Là, en ce moment, j'entends beaucoup ces canons. Vraiment, ils sont loin d'être positifs. Et ça, on oublie vraiment l'impact qu'ils peuvent avoir et ce serait vraiment cette partie-là. Et puis, il y aurait évidemment des parties qui expliqueraient comment bien communiquer positivement, comment formuler ces phrases avec des tips très pratiques qui permettraient de mettre les mots dans le bon sens et puis aussi de bien les choisir parce que là aussi, c'est important le choix des mots pour éviter ce que tu disais en introduction, les problématiques d'interprétation, d'incompréhension, de jugement, de maladresse. Et effectivement, avec les mots, on peut blesser. Et j'aime à dire que les mots sont comme des cadeaux. Et personnellement, j'adore qu'on fasse des beaux cadeaux. Donc, autant offrir les plus beaux mots qu'ils soient comme des cadeaux. Et forcément, ça changera tout. Et dans ce livre-là, voilà, je pourrais donner des exemples de mots et des façons de pouvoir, de savoir comment choisir ce bon mot. Ben voilà, il n'y a plus qu'à, Aude. Hein bon, donc, y a plus qu'à. Voilà. Donc, il y a bien sûr... toute référence avec le poids des mots et le choc des motos n'est qu'une référence assez amusante à une certaine presse
dont on ne s'aidera pas plus que cela, si tu veux bien. Puis, il t'en passait à la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. Question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Alors, tu dis souvent, et je l'ai vu sur ton site, que tout est possible, que les limites ne sont que dans notre tête. Bon, alors, Icare et le dentifrice ont un peu prouvé le contraire, non ? Oui, ils ont prouvé le contraire. Et en même temps, le dentifrice n'est pas humain et Icare n'était pas humain. Donc, à partir de là, tu vois, j'ai du mal à aller dans l'autre sens. Non, alors là, tu viens de botter en touche, d'accord ? Tu viens de botter en touche. D'accord, pour Icare, on peut te mettre, tu sors ton joker, bon, le dentifrice, c'est bien connu, on dit toujours impossible, n'est pas français, eh bien, prends le dentifrice, vide-le de sa boîte, vide de son tube et remets-le dedans. Mais comme tu dis en préparation, ça va être difficile pour moi parce que je n'utilise pas du dentifrice en tube. Donc, même là, voilà. J'ai très peur au début de la phrase. J'ai eu très peur, heureusement qu'on est loin, j'utilise pas de dentifrice en tube. Voilà, ce que je préfère vraiment beaucoup que la phrase complète, évidemment. Voilà. Ouais. Non, effectivement, ça, c'est une grande discussion que j'ai avec beaucoup de personnes sur le côté, ce qu'effectivement, c'est possible pour tout le monde. Moi, je suis intimement convaincue. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Ça, vraiment, ça, c'est important. Effectivement, je dis que tout est possible, mais je ne dis pas que c'est facile. Ça veut dire que ça demande du travail, ça demande de s'entraîner, de répéter, de se faire accompagner éventuellement. En tout cas, il y a tout un tas de ressources à trouver en soi et autour de soi pour y arriver. C'est dans ce sens-là que finalement, on n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'autour de nous, on a un gigantesque espace, pour faire le lien avec ton émission. On est dans un espace non limité et après, les seules limites qu'on se met, finalement, c'est celles qu'on a. Donc, on aura ces limites-là, voilà, ce sont nos limites mentales. Et pour moi, à partir du moment où tu décides de sortir de ces limites et que tu vas aller chercher à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, toutes tes ressources, tu vas pouvoir réussir, finalement. Alors, pour reprendre ce que tu disais et pour reprendre aussi ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la pensée qui précède l'action, ce qui est connu et ce qui est vérifié, ce qui veut dire que plus tu es large dans ta pensée, plus du coup tes actions vont être possibles. Le moyen sera d'utiliser la bonne communication, les bons mots, la bonne expression de ce que tu veux faire. Tout à fait. C'est ça. Si tu te limites, hein, forcément, j'aime bien, j'ai une map monde que j'utilise parfois en conférence, de dire, voilà, quand j'ai la map monde, on voit tous la même chose, on voit une map monde, mais après, en fonction de ce que tu regardes, tu vas voir plutôt un pays, tu vas voir plutôt des frontières, etc. Et selon comment tu orientes ton regard, tu vas avoir différents angles de vue. C'est vraiment aussi une question de prisme, finalement, de point de vue, de quelle distance je prends avec la situation, de où je me situe, etc. Et là encore, c'est une notion de choix malgré tout. Ouais, et de to think out of the box aussi, d'être capable de voir en dehors de ça. Mm. Ouais. Bon, t'as le droit de pas être d'accord avec moi aussi, hein, quand je dis un truc. Hein. Non, ça va pour l'instant. Je saurais largement le dire, rassure-toi. Ouais, je n'attendais pas moi de toi, Aude. Alors, dis-moi, tu as été élevé dans la violence physique et verbale. Et aujourd'hui, donc tu. D'accord. Je disais, aujourd'hui, Aude, tu n'exprimes pas de colère et tu as même travaillé le pardon. Alors, comment s'est opéré le changement ? À partir du moment où j'ai souhaité. Où j'ai pris ma vie en main, tout simplement, à l'âge adulte. Hein. Quand on est adulte, on a le choix, finalement, de faire ce qu'on a envie de faire. On peut toujours avoir l'impression qu'on est accroché à nos parents, à notre éducation, à la structure familiale, figure parentale, hein, pas forcément que parents. Et moi, le fait que je sois partie loin de chez mes parents, ça a simplifié les choses. Et puis aussi, à partir du moment où j'ai choisi d'être maman, hein, j'ai 4 enfants, quand j'ai souhaité avoir mon premier enfant, j'ai décidé moi-même de me faire accompagner pour pouvoir me sentir bien et être plus au clair avec tout ce que j'avais vécu et pour éviter surtout de pouvoir réitérer ces schémas finalement familiaux qui n'étaient pas un modèle en tout cas que je validais et que je valide, même si évidemment chacun faisait du mieux qu'il pouvait avec ses moyens du moment, hein, c'est pour ça aussi, avec cette conscience quand on devient aussi adulte, quand on a travaillé sur soi, de pouvoir prendre ce recul et de comprendre aussi peut-être ce qui s'est joué
et d'accepter finalement ce qui s'est passé sans aucune colère. J'ai eu de la colère, évidemment, hein, étant beaucoup plus jeune. Et puis aujourd'hui, voilà, les choses sont autrement. Aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mes choix. Et je suis tout à fait en paix. Mais ça a été des années de travail. Après, là encore, hein, je le disais tout à l'heure, c'est les ressources, c'est aussi ce savoir se faire accompagner pour pouvoir évoluer positivement. Ça, c'est un choix que je fais. Et aujourd'hui encore, même si je vais très bien, je continue à me faire accompagner parce que je suis convaincue que ça nous permet de toujours évoluer, de toujours sortir justement de cette boîte dans laquelle on pourrait rapidement s'enfermer et justement travailler sur ses pensées de manière autre. C'est ça, c'est-à-dire que donc tu avais besoin en fait de faire ce travail puisque tu allais, tu arrivais à la phase dont tu expliquais, c'était avant la naissance de ton premier enfant. Donc, comme tu allais arriver à la transmission, donc tu avais besoin de faire un petit peu de l'ordre dans tout ça, de recéter la machine finalement pour pas éviter que ce que tu avais reçu devienne parasité, le message que tu avais envie de transmettre. Et qu'en fait, finalement, quelque part, c'est une dynamique, mais que c'est une dynamique qui peut, on peut retomber dans une espèce de spirale comme ça et revenir. On a le risque de revenir un petit peu sur des schémas destructeurs, pardon, et que ces schémas, que donc ces schémas-là, tu les recadres et parfois tu te fais aider par un coach, etc. Ouais. Tout à fait, ça. Ouais, c'est bien parce que c'est une leçon aussi. Parfois, on voit aussi des personnes qui sont dans une espèce de spirale comme ça parce qu'ils ont hérité des choses. Alors, tu disais, je pense que c'est important de le signaler. Je fais juste une petite parenthèse parce que je crois que c'est important de le signaler. Les parents, ils font toujours le mieux qu'ils peuvent. Il n'y a pas d'école de parents. Les parents font souvent suivant l'intuition. En plus, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui en termes de se former, etc. Et que donc, finalement, quelque part, c'est pas leur faute. Deuxièmement, on a besoin parfois de s'éloigner un petit peu pour pouvoir casser quelque chose, pour pouvoir reconstruire. Il faut parfois se détruire pour faire une rupture. Ce que moi j'appelle le chaos pour pouvoir par la suite passer de l'autre côté du miroir un petit peu. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. À mon avis, le mot chaos, tu dois pas l'aimer, mais ça, on en discutera plus tard. Hein, voilà. Bon, alors, dis-moi, si on ne trouve pas la bonne énergie vibratoire des mots, la communication vibratoire. On lui tord le cou, c'est ça? Alors, je fais l'arrêt sur image, d'accord? Parce que le genou est passé très vite, pour ceux qui nous suivent, hein, qui ont l'habitude. Alors, je parlais de vibratoire, et je parlais que sinon la communication, elle vibre à tort. Ouais. Hein. Si vous n'avez pas compris, hein, ceux qui me regardent, envoyez-moi un message. David, ça suffit, tes jeux de mots, on n'y arrive plus à suivre. Si par contre vous avez compris que vous trouvez ça chouette, bah, envoyez-moi des pouces, d'accord? Et puis de toute façon, si vous n'aimez pas, ça fait partie de ma façon de présenter, donc ce n'est pas grave. Aude, tu avais compris le jeu de mots? Oui, le mot va finalement, effectivement, vibrer à tort. Si on ne choisit pas les bons mots, sans forcément s'en rendre compte, on va aussi vibrer à l'intérieur négativement. Parce que là encore, hein, j'insiste, hein, quand je dis que les mots précèdent la parole et l'action, c'est dans le sens où les pensées, elles sont déjà à l'intérieur. Donc, ce que je pense, finalement, va vibrer aussi dans mon corps, parce que chaque mot a une énergie, chaque mot a une vibration. Et en fonction finalement de la vibration que je vais choisir, et c'est d'ailleurs pour ça, on le voit dans nos relations humaines, on va être plus ou moins attiré par certaines personnes, et entre autres, leur façon de s'exprimer va faire qu'on va être attiré. Par exemple, moi, les gens qui disent énormément de gros mots, qui sont hyper vulgaires, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Leur vibration ne me convient pas. Il y a des personnes avec qui ça ne gêne pas du tout, parce que ça... Selon le ton dans lequel c'est dit, ça peut paraître, voilà, ça passe. Mais finalement, les mots qui sont utilisés au travers peut-être de cette vulgarité, il y a quand même une vibration qui est assez basse et ça se ressent après même dans l'énergie des personnes et même après dans leurs actions. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir après que ça va refléter aussi sur notre énergie du quotidien, dans nos actions, dans comment j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Moi, on me dit souvent, oh, tu as énormément d'énergie, comment tu fais ? Mais je suis convaincue que c'est aussi lié à ce que je travaille au travers des mots et de ce pouvoir vibratoire qui est là. Il y a vraiment tout un sens plus fin. Moi, j'aime travailler sur l'étymologie des mots.
Donner un mot hyper négatif à un enfant de 3 ans qui ne connaît pas la signification de ce mot, ou plus petit, bizarrement, cet enfant, il va grimacer hein, si on lui donne un mot négatif, parce qu'on a quand même cet inconscient collectif qui est là, dans lequel finalement chacun d'entre nous ressent malgré tout l'histoire de ce mot et le poids des mots, justement. Donc, très important d'y être attentif pour savoir justement ce qu'on va envoyer finalement dans notre sphère énergétique, hein, si je peux dire ça. Ouais. Je te propose qu'on se retrouve, je vais pour un petit peu développer ça, je te propose de regarder ensemble un petit reportage d'une minute, si la vidéo ne me fait pas des tours cette fois-ci, et on se retrouve juste après pour discuter justement de toutes ces énergies vibratoires. On se retrouve dans une minute. Si vous me voyez figé comme ça, c'est que je n'ai pas vu que le film s'est arrêté, d'accord ? Quand on a l'effet miroir de la communication, la personne, elle s'entend verbaliser un certain nombre de choses, et le fait, moi, d'interagir avec elle vis-à-vis de ses propos va faire une sorte de prise de conscience qui va déjà lui permettre de se mettre en mouvement. Bien 4D, c'est pour pouvoir être bien avec soi, avec les autres, avec son environnement et contribuer au monde. Ce sont 4 messages super importants, donc d'où la 4D. Pour moi, la communication positive, ce n'est pas que la communication envers l'autre, c'est aussi la communication envers soi. Donc si je vais travailler sur la motivation, ça va être aussi comment je communique avec moi-même, donc c'est-à-dire au travers de mes pensées, pour réussir à me motiver. Voilà, donc un aperçu de Aude sur scène et également un petit peu des messages que tu veux faire passer. Donc tu parlais, ce qui est important, tu parlais de tout l'impact que ça a sur toi, ton environnement, l'extérieur. Tu parlais des 4D, tu parlais aussi de la motivation. Je voudrais qu'on revienne sur une expérience assez connue de la personne qui parle avec sur des verres d'eau. On avait parlé quand on avait préparé l'émission. Peut-être on peut l'expliquer pour ceux qui nous regardent qui ne connaissent pas. Donc il y a une expérience qui a été menée, donc je ne sais plus quelle université, quelqu'un qui simplement s'adresse à des verres d'eau, à certains verres d'eau il leur parle poliment, à d'autres verres d'eau il leur parle absolument pas, et à un autre il les insulte carrément, et après il analyse au microscope les cristaux, et en fait il se rend compte que ceux à qui il a parlé excessivement bien poliment, les cristaux étaient excessivement jolis, une forme super harmonieuse. Ceux qui ne s'est pas adressé du tout, les cristaux étaient neutres. Et par contre, ceux qui l'avaient complètement insulté ou dit des gros mots, et bien, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était des cristaux excessivement moches, un agglomérat, déstructuré. Ouais, les travaux de Masaru Emoto, moi qui m'inspire beaucoup, évidemment. Et ça va au-delà de juste insulter hein, ses travaux et l'eau et lui dire des mots gentils. Il l'a fait aussi avec la musique, il a vraiment travaillé la mémoire de l'eau. Ce qui est important de se rappeler, c'est que nous, l'être humain, on est quand même constitué en grande partie d'eau. Donc imaginons forcément que les mots que nous disons, que nous prononçons et que nous recevons, ces fameux cadeaux dont je parlais tout à l'heure, bah, ils viennent forcément impacter sur notre structure cellulaire. Hein. Là, aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de travaux qui ont été faits sur le corps humain. Je ne suis pas scientifique, mais franchement, si demain, il y avait un scientifique qui lance des travaux, je serais ravie de pouvoir être de la partie, parce que si ces travaux sur l'eau démontrent ça, on peut imaginer vraiment à quel point c'est impactant sur notre corps. Moi, ce que j'ai trouvé génial aussi dans ces travaux de recherche, c'est avec le mot gratitude et amour. Hein, les mots gratitude et amour seraient les mots, en tout cas, en termes de structuration de l'eau, de la molécule d'eau, qui ont les plus beaux cristaux et qui en plus protègent. Il y a l'expérience qui est faite avec le micro-ondes, d'utiliser un micro-ondes sans rien dire à la nourriture. Forcément, l'aliment ressort avec une molécule complètement déstructurée. Et par contre, si le mot amour et gratitude sont posés sur les aliments avant d'être passés au micro-ondes, les aliments ressortent intacts avec la même structuration que quand ils sont rentrés dans le micro-ondes. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc, imaginons ce que ça a forcément sur nous. Ouais, alors c'est pas mal. Moi, je pense que les gens qui nous regardent,
déjà qu'avant, les gens, ils avaient peut-être de mal à parler à leurs plantes, leur dire des mots gentils quand ils les arrosaient. Là, maintenant, on va avoir toute une série, un phénomène de gens qui vont commencer à parler à leur repas avant de le mettre dans le micro. Moi, j'imagine très bien la scène. Mon cher steak, je te réchauffe, c'est pour ton bien. Je t'aime et je vais te manger, je t'aime. Il ouvre le micro, on y met son steak dedans. Ah voilà, ouais, ouais. Mais je pense que c'est au-delà du gag, en fait, d'après ce que tu racontes, bah, puisque finalement, le micro, il agite aussi les molécules d'eau. C'est comme ça que ça se réchauffe. C'est pas si stupide que ça, en fait. Et ça vaudrait la peine d'être tenté. Tiens, ce sera intéressant. Moi, je le fais. Hein. J'utilise très peu de micro-ondes. J'ai un micro-ondes chez moi parce que, voilà, au niveau de la famille, je n'ai pas réussi à lutter. Voilà. Ça m'arrive exceptionnellement de l'utiliser. Et forcément, quand j'utilise et que je mets quelque chose dedans, je tiens à mes aliments, à ce que je mets dedans, amour et attitude. Voilà. Gratitude, voilà, un steak, je vais te manger, c'est pour ton bien, je t'aime, etc. Voilà, Chris Kana qui est là, que je salue, il me précise qu'elle parle aux arbres, ces arbres, et je pense qu'effectivement, ça a une importance, et on se rend bien compte dans l'émission qu'effectivement, l'énergie vibratoire, on ne la voit pas, mais il y a des choses qui se passent, hein, il y a des choses qui se passent, et donc, si on ne le voit pas, mais on voit les effets que ça fait sur l'eau, forcément, comme la plupart des corps vivants sont faits d'eau, effectivement, on peut s'imaginer. On voit pas le vent et finalement on le ressent quand même. Ouais, ouais. C'est pareil. Ouais, effectivement. Mais je voulais te poser une question en fait, Aude, assez personnelle. Tu ne t'énerves jamais en fait. Si. Ah. Mais si. Mais avec des bons mots. Pas toujours. Ah bon. Pas toujours, ben non, forcément. D'accord. Je reste un être humain comme tout le monde. Après, forcément, par contre, il y a toute une machine qui se met en route dans ma tête quand ça arrive, de travail sur moi et de réflexion sur le pourquoi j'en suis arrivée à cet extrême et à réfléchir l'effet miroir de la communication que l'autre a pu me renvoyer, qui fait que ça a pu éventuellement me mettre dans cet état. Comprendre quelle est la part d'ombre en moi que j'ai besoin de travailler pour éviter que ça réitère. Et c'est assez efficace. Et finalement, je me dis à chaque fois, bon, c'est malgré tout un cadeau puisque ça m'amène à toujours continuer à travailler sur moi et à remettre en question le pourquoi finalement je peux encore m'énerver. Oui, je m'énerve rarement. Le seul domaine, je crois, où réellement je m'énerve, c'est avec mes enfants. Ah, ils ont l'art et la manière de tourner le bouton un petit peu là où j'ai pu mettre le volume des fois un peu fort. Un peu fort, ouais. Non, effectivement, je m'énerve rarement. Ouais, voilà, je ferai une émission spéciale les enfants des invités, tiens, où je reçois en live. Et qu'est-ce que tu penses, maman? Oh non. Non, ça va. Ils ont des propos sympas. En plus, ils se rendent compte après coup que c'est justifié hein, quand je me fâche, mais. Ils ont quand même l'arrêt de la manière. Je pense que maintenant, plus sérieusement, que les enfants sont un vrai thérapeute. C'est-à-dire, si les enfants expriment des choses, nous mettent en fait dans des situations, c'est quelque part pour nous challenger, pour aller justement mettre le point là où ça fait mal, pour réparer les choses qu'on a besoin de réparer. Et c'est là, ils sont là pour ça. Donc voilà. Mais voilà. Donc si tu t'énerves, bah voilà, ça arrive. On s'énerve tous. Hein. Ça va s'énerver avec élégance. Oh, je ne crois pas que je sois très élégante dans ces moments-là. Puis en plus, je m'en veux tellement après, c'est terrible. Ouais. Comme tu disais, ça permet justement de se remettre en question et puis de progresser comme ça. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'élève mes enfants avec cette ouverture sur la communication, c'est que quand ça se passe, ils savent s'autoriser aussi à ce qu'on rééchange sur ce qui s'est passé. Et voilà, et on pose les choses avec... vraiment les points de vue des uns et des autres, il n'y a pas de fermeture sur la communication. C'est vraiment, on échange et on comprend ce qui s'est passé de part et d'autre, ce qui fait que l'un a peut-être été un peu trop loin, et ainsi de suite. Hein. Ouais, c'est un beau message que tu nous donnes, c'est une belle leçon que tu donnes ici. Parce que justement, pour réussir à avancer, souvent, les projets doivent être des projets familiaux. Quand on fait du développement personnel, familial, le fait justement de mettre, rendre les enfants complices de son progrès, en fait, voilà, partager avec eux permet aussi effectivement justement, à ce moment-là, du coup, c'est pas une thérapie de groupe, hein, c'est pas une thérapie familiale, c'est juste simplement
on est ensemble dans le même projet et on vise à s'améliorer. Voilà, belle leçon que tu nous donnes ici, Aude. Donc voilà, grâce finalement à la colère, voilà, quelque chose qui est positif. Alors, de coloriste des mots à coloriste tout court, parle-nous de tes peintures, Aude. Eh ben, c'est bien, ça fait le lien avec ce que Chris a écrit dans les commentaires, qui dit que je porte une magnifique robe. Je te remercie, Chris. Elle te demande si tu connais l'origine de ma robe. Ouais. Alors, Chris, d'abord, d'où est-ce que moi, je connaîtrais l'origine de la robe de Aude, d'abord? Eh ben oui, je vais parler de mes peintures, parce que c'est une robe tableau que je porte. Hein. C'est le mot liberté que je porte. C'est un de mes tableaux que j'ai peint. En novembre 2020, j'ai commencé à peindre parce que j'avais en tête, j'avais écrit pendant 2 ans, tous les jours, un mot positif pour vous accompagner. Et je cherchais, du moins suite à, voilà, des échanges avec plusieurs personnes, je me suis dit, je vais en faire des cartes. Et je cherchais quelqu'un pour illustrer. J'ai essayé plusieurs projets avec différentes personnes. Ça n'a pas pris. En tout cas, ce n'était pas... Par rapport à ce que j'avais dans la tête, j'arrivais pas, ça ne matchait pas. Et finalement, j'ai vraiment reçu le message qu'il fallait que je peigne. Je n'avais jamais peint avant, mis un tableau comme ça pour essayer. Donc, j'avais un vieux reste de peinture. J'avais gardé. C'est marrant parce que je ne suis pas du tout conservatrice. Et là, pour le coup, cette peinture, je l'avais conservée, peut-être en pensant plus que les enfants s'en serviraient ou je ne sais qui. Et j'ai ressorti cette boîte de peinture. Et en novembre 2020, j'ai commencé à peindre mon premier mot. Et c'est devenu presque une addiction. Et depuis, voilà, j'en ai fait un oracle et j'ai exposé plusieurs fois. J'expose encore en ce moment dans différents lieux. Et c'est juste génial, quoi. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place maintenant dans mon quotidien parce qu'il y a vraiment... Ouais, et dans ton salon aussi. Dans mon salon, c'est mon bureau. parce que le travail que je fais, c'est vraiment un travail de sur l'énergie vibratoire des mots. Pour moi, chaque mot a une couleur, chaque mot a une énergie. Et quand je peins, c'est cette énergie vibratoire du mot que je mets en couleur finalement. Donc, je peins de l'art abstrait. Au départ, je ne sais pas du tout dessiner, hein, soyons très, très clairs et très humbles. Donc, c'est très abstrait, très contemporain, très coloré. Je peins avec toutes les couleurs, sauf la couleur noire, parce que pour moi, la couleur noire est une couleur qui, vibratoirement parlant, ne vibre pas. Puis, j'ai vraiment reçu ce message que de ne pas peindre avec cette couleur. Donc, c'est très coloré, c'est très abstrait, c'est joyeux. Et ce qui est génial, c'est que les personnes viennent vraiment, qui achètent mes tableaux, il y a vraiment une vraie résonance par rapport à ce qu'elles vivent dans le moment. Il y a vraiment ce message. Et souvent, les personnes, quand elles ont un flash sur un de mes tableaux, qu'elles me l'achètent, elles me disent, c'est vraiment ça, c'est quelque chose, je n'arrive pas finalement à être dans ce mot, finalement. Et comme l'idée, c'est vraiment de pouvoir méditer sur mes tableaux pour venir capter la vibration du mot et avoir un côté réparateur, entre guillemets. Et j'ai des témoignages de personnes qui m'expriment, hein, des changements pour eux suite à l'acquisition de mes tableaux. Donc, j'ai deux procédés. Soit je peins moi-même des mots que je choisis qui viennent et je peins. Ou alors, j'ai des personnes qui me font des commandes en me disant, ben voilà, j'aimerais que tu me peignes tel mot ou tel... ou telle émotion, telle énergie. Et donc, moi, là, pour le coup, ça va être encore un autre procédé parce que je vais être vraiment plus connectée à la personne, à la vibration de la personne. Je vais être connectée à son âme pour être dans un côté plus réparateur. Et là, mes toiles sont des vraies millefeuilles quand je peins pour les personnes. Il y a vraiment plusieurs couches qui viennent en toile de fond pour réparer au fur et à mesure ce dont la personne a besoin pour être vraiment dans son plein potentiel, dans la pleine réalisation de son âme. Il y a un côté réparation dans ce que je fais. Moi, je ne m'en rendais pas forcément compte jusqu'à ce que j'ai des témoignages. Et puis, l'une des dernières toiles que j'ai peintes, je vais finir avec ça, je l'ai peinte parce que j'ai eu un accident de vélo, je me suis fait percuter au mois de novembre et j'avais très, très mal au dos. Voilà, j'étais en pleine rééducation. Et j'ai vraiment ressenti ce besoin, et je l'avais déjà eu quand je peignais mon oracle, je l'avais fait pour une amie, de peindre des cartes de guérison. Et j'ai fait un tableau vraiment dédié pour les douleurs. Et depuis, écoute, mes douleurs de dos
ont globalement disparu, c'est-à-dire que dès que j'ai un peu mal, je me reconnecte à ce tableau, les douleurs rediminuent. Parce que physiologiquement, il y a quelque chose d'abîmé sur mon dos, donc ça ne changera pas, mon tableau ne va pas le réparer, hein, il n'y a pas de magie non plus. Mais par contre, ça m'a permis une vraie gestion de la douleur, où j'ai retrouvé des nuits de sommeil confortables. Et j'ai d'autres personnes qui ont testé, qui m'ont fait les mêmes témoignages vis-à-vis de ce tableau. Donc j'ai une vraie satisfaction de me dire qu'il y a un côté réparateur. J'aime pas utiliser le mot thérapeutique, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Je ne veux pas rentrer dans cette case, même il y en a qui me disent tu fais de l'art thérapie. Non, je fais pas de l'art thérapie, mais en tout cas, je fais de l'art qui vibre et qui vient amener cette vibration dans chacune des cellules des personnes qui sont en contact avec mes tableaux. C'est assez génial. Je me posais la question pendant que tu parlais, comment tu fais, je veux dire, concrètement, voilà, tu te mets devant, tu as un mot en tête et tu peins ce qui sort du mot. C'est ça. T'as pas un appareil pour identifier quelle est l'onde vibratoire de ce mot, donc comment... Non. Alors après, c'est très drôle. Quand j'ai exposé la première fois, il y a des gens type magnétiseurs et autres qui sont venus dans mon expo et qui s'amusaient à tester avec leurs mains les tableaux et qui m'ont fait des super témoignages par rapport à ce qu'elles ressentaient au niveau de l'énergie, etc. Et qui corroboraient pleinement avec les messages que j'ai captés quand je peins. C'est-à-dire que quand je prends un tableau pour peindre, j'ai aucune vision. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes peintres vont dire, je ne sais pas trop, mais malgré tout, ils vont faire du croquis. Moi, il n'y a rien. Je fais tout directement. C'est-à-dire que j'ai ma boîte à peinture, je pige mes tubes de peinture. J'ai vraiment mon mental qui est lâché, parce que parfois, tu as le mental qui revient, tu fais, oula, ça va être moche ce mélange de peinture. Et là, tu te dis, laisse faire. Je n'ai aucune idée de quelle forme ça va prendre, de comment ça va être, etc. Et je me mets à peindre, mais sans aucune. Et c'est juste que quand je peins, j'ai des messages qui viennent et qui m'expliquent, voilà, toute l'énergie et tout ce que contient le mot, si tu veux. Et donc, je me laisse faire, je peins. J'avoue que quand je peins, j'ai un peu l'impression que c'est pas moi qui peins, clairement. C'est pour ça que mon nom d'artiste, c'est Âme. Ça tombe bien, ce sont mes initiales, Aude Milesi, mais c'est Âme, A-M, mais parce que je dis, c'est mon âme qui peint. Je suis l'âme qui peint. C'est comme si je ressens que dans d'autres vies, puisque je crois dans les autres vies, c'est comme si je viens ressortir quelque chose que je savais déjà faire quelque part. Parce que même ce mélange de couleurs, jamais on m'a dit, mais ce mélange, il est moche. Alors que si c'était mon mental et que je me disais, je vais peindre, il y a des couleurs que je n'oserais pas mettre ensemble. Et puis finalement, quand je vois le résultat de mes tableaux, je me dis, mais si, c'est vachement sympa en fait. Ouais, bah, d'où vraiment l'expression de l'âme, quoi. En fait, c'est vraiment ça. C'est, ouais. Tu exprimes ce que ton âme ressent. Bon, on connaissait ça pour l'écriture, hein. On s'isole complètement et on jette les mots qui nous viennent par la tête. Pour les peintures, c'est pas mal aussi. Je connais quelqu'un qui fait ça avec la musique, au piano. Piano. Ouais. Ouais, wow. Ouais, finalement, l'art est une forme d'expression de ses énergies, de ses émotions, etc. Donc, on peut donner. Ça, ce que tu as derrière toi en fond, c'est aussi un exemple de tes tableaux. Ouais, c'est une de mes toiles, oui. Qui représente quel mot, quelle énergie ? Alors, ça, c'est l'interconnexion, c'est. J'aime bien dire que c'est la matrice de mon oracle. Elle ne fait pas partie de l'oracle, mais malgré tout, c'est celle qui vient lier toutes les cartes, hein, tout leur ensemble. C'est l'interconnexion, tout est là, tout est lié, tout est interconnecté. Alors, justement, on en parle depuis tout à l'heure. Oracle, Aude, désespoir. J'aime bien le jeu de mots. Ah, merci. Oui, oracle au désespoir, non pas désespoir, espoir, joie, bonheur, gratitude. Suite justement à mes premières peintures, donc de novembre à on va dire mai 2021, j'ai peint tous mes mots, mes textes, j'ai complété mes textes. Et puis après, j'ai cherché des éditeurs, j'ai pas trouvé. J'ai une éditrice qui m'a dit votre jeu, on ne peut pas l'éditer, il est trop positif. Quelque part, sur le coup, ça m'a fait mal au cœur et après, j'étais vachement contente. Ouais, t'as atteint ton but, mais bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éditer quelque chose qui est trop positif ? C'était trop positif en me disant, mais ouais, oui, mais si quelqu'un a vécu telle ou telle situation et qu'elle lit le message de telle carte, elle ne va pas supporter la personne. Je me dis, là encore, en termes de vibration, j'imagine que cette personne-là ne viendra pas tirer
une carte dans mon jeu de cartes, et auquel cas, bah, peut-être qu'elle a quelque chose à y comprendre. Donc, c'est intéressant. Donc, j'ai fini par décider de m'auto-éditer. Donc là, aujourd'hui, le jeu de cartes est en pré-vente et il est aussi dans les mains de l'imprimeur pour, je te remercie, dans les mains de l'imprimeur pour sortir. Donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait confiance et qui l'ont pré-acheté. Donc, je suis super contente. Et puis, je communiquerai beaucoup plus sur mon jeu quand il sera sorti dans la matière. J'attends avec impatience de l'avoir, de pouvoir tester, parce qu'après il a été testé, parce que je l'avais imprimé comme ça, j'ai plusieurs personnes qui ont testé, qui m'ont fait des retours très positifs. Donc 44 cartes, toutes positives, que des mots positifs, et j'en suis très fière, parce que j'ai vraiment tout fait de A à Z, de l'infographie aux illustrations, peinture, texte, de A à Z, toute seule. Ouais. Il y a juste la relecture que j'ai fait faire à ma maman, qui est toujours ma relectrice depuis toujours, de tous mes mémoires d'études et autres. Et ben, elle continue encore, même à l'âge adulte. Voilà, pour se procurer, c'est sur ton site, j'imagine? Oui, sur mon site, www.audemilesi.com, et en pré-vente. Donc, je croise les doigts, ça a pris un peu de retard, mais c'est vrai que finalement, j'ai découvert le monde de l'impression, l'imprimerie. C'est la boîte, c'est très compliqué finalement, c'est ce qu'il y a de plus long. J'avais imaginé des délais plus courts, donc j'espère que fin du mois ou au grand plus tard début juin, il sera disponible physiquement. En tout cas, il est là, il est finalisé et complet. Ouais, alors je vais noter comme ça pour ceux qui nous regardent, donc www.audemilesi.com. Audemilesi.com. Voilà, il y a produit et dedans. Alors, mon site est en train d'être refait par des pros, mais pour l'instant, il a le mérite d'être comme il est et on peut y trouver l'oracle. Voilà, audemilesi.com, c'est voilà qui est fait, la minute publicité, pas ah, toup, 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 comme ça c'est fait. Donc voilà pour, écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit, hein, voilà, donc pour les oracles d'énergie positive. Voilà, je vais te poser une question qui est peut-être un peu loin des oracles, mais on n'est pas loin quand même d'un monde un peu spécial, c'est le monde des super-héros. La question, super-héros. Donc, si tu étais un super-héros, c'était un des personnages de Marvel, qui serais-tu et qui serait ton super-pouvoir pour communiquer positivement? Eh bien, moi, c'est simple, c'est Wonder Woman. Alors, fan depuis toujours de Wonder Woman. Je ne sais pas si tu sais, Wonder Woman, elle met toujours les deux points sur les côtés. Ah ouais, ouais. Et on sait parce qu'elle a une hernie discale, en fait. C'est pas... Non, on sait surtout qu'en communication, c'est une posture que je recommande souvent, particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à prendre la parole en public, entre autres, parce que quand tu mets les deux mains sur le côté, comme Wonder Woman, tu vas sécréter de la testostérone. Donc, ça te donne davantage confiance en toi. Donc, elle va te donner confiance en toi pour communiquer positivement. Ouais, j'étais sûr que tes Wonder Woman étaient un peu testostéronées. Ouais. J'étais sûr. C'est une posture qui est utile aussi pour les hommes, hein, peu importe. Ah ouais, bah ouais. En tout cas, Wonder Woman, en plus, pour l'anecdote, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai fait une soirée super-héros et j'étais déjà déguisée en Wonder Woman. Donc, c'est une super-héros qui me suit depuis longtemps. Ça te poursuit, voilà, tu vois, ça tombe bien. Voilà, la boucle est bouclée ce soir grâce à Chronospace qui t'a posé la question du super-héros, de la super-héroïne. Donc voilà, Aude Milesi en Wonder Woman. Le cadeau. Alors, Aude, dis-moi, que proposes-tu pour les gens qui nous regardent, comme pour les récompenser d'être avec nous ce soir? Écoute, le premier qui écrit son nom sur ton site, c'est ça? Qui écrit son nom dans le commentaire. C'est ça. Moi, je suis prête à offrir mon oracle et à lui envoyer, lui poster. La personne, après, me recontacte ou te recontacte, nous donne ses coordonnées pour qu'elle puisse recevoir, parce que ça reste un produit physique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il recevra dans sa boîte mail. Et voilà, j'offre un oracle au premier qui écrira son nom dans le chat. Voilà, ça c'est l'adresse. Donc pour récupérer le cadeau, donc www.chronospace.tv/recevoir-le-cadeau, vous arrivez sur une boîte internet, sur une page internet où il y a une petite boîte qui vous laisse la possibilité de laisser votre email, votre nom, votre prénom, votre email, et aussi surtout, c'est important, le nom de l'invité. Donc vous laissez. Alors attention, c'est une question de rapidité, je le dis à chaque fois, ça sert à rien d'aller sur vos claviers maintenant, ça sert à rien, parce qu'on démarre à partir de la fin de l'émission. Et ouais.
sinon ce sera un peu trop facile. Voilà, voilà. Alors, c'est vous qui nous regardez en replay, bah, tentez votre chance, puisque ça se trouve, ça vaut la peine aussi. Mais voilà. Donc, question rapidité, le plus rapide à aller sur notre site après l'émission et aura donc le cachet du, enfin, date de l'email, du dépôt de l'email faisant foi, recevra donc ce cadeau. C'est un magnifique cadeau. Merci beaucoup, Aude. Pour ça, on se rend bien compte qu'il y a plein de choses là qui. Le cadeau, ça va très bien avec l'énergie positive, finalement. Donc c'est génial. Quel serait le dernier message que tu aurais envie de dire ici à ceux qui nous regardent? Croyez en vous. Moi, je dirais croyez en vous, d'où vous veniez, quoi que, quelle que soit votre histoire de vie, il y a toujours moyen de pouvoir prendre un beau chemin, celui qui est celui qu'on choisit. C'est à nous de choisir, c'est à nous de faire des pas vers ce beau chemin. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut faire ces pas. Donc, à vous de les faire. Croyez en vous, travaillez sur vos princes et puis surtout, travaillez sur votre pourquoi vous avez envie justement d'emprunter ce beau chemin pour être encore plus motivé et avoir des bonnes raisons de garder focus cet objectif pour votre plus grand bien-être. Ça, c'est connaître son pourquoi aussi. Hein, connaître son pourquoi et y aller. Quoi. Mmh. Et ben voilà. On arrive juste à la fin, là, Aude. Ça y est, déjà. Super, c'est passé vite. Ouais, comment ça, super? J'ai dit, on arrive presque à la fin, tu dis super. Non, c'est passé super, parce que j'ai passé un super bon moment. Ah, d'accord, voilà. Le filtre d'interprétation, c'est très bien. Ah, voilà, c'est terrible, c'est terrible. Non, c'est bien, tu as posé une question, donc on empêche justement de rentrer dans ces filtres. C'est une des clés importantes, c'est de poser des questions. Voilà, le questionnement, c'est important, effectivement. Ok, merci beaucoup, Aude, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission pleine d'énergie, pleine de bienveillance, pleine de sourire. On a senti toute cette énergie, on a senti toute cette lumière aussi qu'il y avait là. Une émission très lumineuse, très rayonnante. Juste avant qu'on se quitte, je rappelle le partage altruiste. Chers amis, vous nous avez regardés depuis un peu plus de trois quarts d'heure. Il y a sûrement des messages ou des choses que vous avez envie de partager aux autres, à vos amis, que vous avez envie de partager à d'autres personnes qui nous regardent, et bien simplement vous reprenez ce concept et puis vous vous taguez hein, votre copain, vous dites voilà, c'est pour toi, il y a ce mot-là. Moi personnellement, j'ai beaucoup retenu le côté donc gratitude et amour de ces cristaux qui créent un espèce de cristaux de protection. Et voilà, et je vais taguer mes amis aussi. Je suis fait de la même chose. Je pense que ça nous permettra aussi à nous de, comme ça, de diffuser un maximum. La bienveillance, la bonne humeur, le positivisme. Merci beaucoup, en tout cas, Aude, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ta bonne humeur, ton talent aussi, et puis toute cette bonne énergie de communication positive. Merci beaucoup, Aude. Un grand merci à toi, David, pour cette invitation. Merci aux personnes qui ont été là. J'ai passé un super moment, merci. Bah, merci beaucoup. Aude Milesi, donc, qui est la coloriste des mots, on s'en est bien rendu compte, hein, toute l'énergie de ces mots et le fait que, évidemment, les mots ont une certaine fréquence, ça s'est traduit dans les tableaux qu'elle nous a présentés. Et donc, c'est cette espèce de façon d'exprimer sur une toile, d'exprimer toute une énergie vibratoire de tous ces mots. Quelque chose que je retiens, c'est que. Tout est possible, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, que la pensée précède les actions et que donc à partir du moment où on se met des limites dans ses pensées, forcément, on se restreint le champ des possibles. Et puis aussi, donc, cette fameuse expérience sur les cristaux d'eau qui font que lorsqu'on utilise des mots qui ne sont pas des mots positifs, qui sont donc des mots violents, les cristaux sont difformes et sont vraiment, vraiment pas jolis, tandis que lorsqu'on utilise les mots comme gratitude, amour, etc., ben on a des cristaux qui sont structurés, qui sont beaux, qui sont envie, plus qui donnent une envie de protection, y compris, ça marche aussi avec l'eau des aliments lorsqu'on les met dans le micro-ondes. Et puis forcément, comme nous sommes à peu près à 70% d'eau, on peut facilement imaginer ce que cela donnerait sur notre corps, bien sur l'ensemble des cellules, lorsque l'on est face à un système d'énergie vibratoire qui est plutôt destructrice. Voilà, mes chers amis, c'était la reprise des lives hein, avec Aude Milesi ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent moment, que les clés qui vous ont été transmises ce soir vous aideront à progresser ou à changer un petit peu autour de vous, à faire la différence. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé, à partager autour de vous, liker, partager.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Je vous rappelle aussi que le plus rapide à s'inscrire sur le site web, eh bien, aura la possibilité de récupérer donc, le cadeau qui est donc, ces oracles. Là, je remets l'adresse ici. Voilà, le plus rapide. Donc, dès que l'émission est terminée, attention, ne vous inscrivez pas tout de suite. Attendez, soyez prêts. Voilà, et merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, nous recevons Étienne Tony Marchand, un coach hors du commun, sympathique, modeste, efficace, et en plus, il est beau gosse, mesdames. Voilà, chers amis, passez une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous souhaite plein de bonheur, plein de communication positive, plein d'énergie vibratoire constructrice, et n'oubliez pas de dire à votre steak que vous l'aimez avant de le mettre dans le micro-ondes. Bye bye, chers amis. Bye bye.